bien, ma foi, ça va être une édition complètement folle. 2008 va être une édition complètement époustouflante. Chaque jour, il y a tellement de surprises, il y a tellement de diversité musicale, enfin de comment dire, de styles musicaux présents. Il y a énormément d'innovations, donc je dirais que ce sera une édition innovante, pétillante et sacrément riche. Ouais, alors Arenzik, effectivement, Arenzik, c'est une des créations de l'année. C'est une vraie création, puisque ce sera la première fois en France qu'on va voir ce type d'endroit. Il va y avoir de l'art de rue tout au long de l'après-midi. Et le soir, à partir de 21h30, 22h, jusqu'à 4h30 du matin, il y aura des DJ qui vont se succéder sur la scène d'Arenzik, et avec diverses créations, des bootlegs évidemment. Il y aura aussi des artistes qui seront présents sur la scène 2, 1 ou 2 ou 3, et qui viendront éventuellement avec les DJ faire des bootlegs. Donc il va y avoir un espace, cet espace, enfin ce nouvel espace va être complètement innovant et complètement surréaliste, parce qu'on a une boîte de nuit. Créer une boîte de nuit dans l'enceinte d'un festival, aujourd'hui en France, ça n'existe pas, sauf au Terre-Neuve, à Bobital. Y a pas un buzzer chez vous, hein? C'est qui? Ah, les Hush, ouais. Facile. Sur la scène découverte, d'ailleurs. Voilà. Ouais, ça c'est Hocus Pocus. Ah non, je connais pas. Sex Pistols. Ah ouais, facile aussi. The Verve. Oh, Kali, bah oui, évidemment. Ouais. Ça y est, je vais faire grimper le mercure. Gang. Ayam. Ah non, c'est qui, c'est Cynique? Ah, c'est Fatal, d'accord. Elle est très bonne, celle-là. Ah, oui, bien sûr, évidemment, il y a les Sex Pistols, ça va de soi, il y a les Pistols, c'est un événement national, puisque les Pistols, dans le cadre de leur tournée mondiale, font une seule date en France. Et la seule date en France, c'est à Bobital, donc évidemment, ça va être un grand moment, d'autant plus que quasiment personne ne les a jamais vus en France. Donc beaucoup de monde en parle, personne ne l'a vu, vous allez les voir.